Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lightfire, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui se prête beaucoup à ce que je fais, un mentalisme magie, mais ironiquement j'en avais jamais parlé sur ma chaîne, je m'en suis rendu compte et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je voulais en parler depuis un moment, donc on va en parler aujourd'hui, c'est bien évidemment l'hypnose. Alors excusez-moi un peu, c'est rarement le bordel sur mon bureau quand je tourne des vidéos, mais là c'est le bordel, je suis en train de trier des cartes Pokémon, littéralement il y a des cartes japonaises. Il y a des ultra rares qui datent d'ultra longtemps, qui sont ultra abîmés. Il y a des cartes qui datent de 98, bref. C'est le bordel, je m'en excuse, je suis en train de trier plein de trucs pour les cartes Pokémon, donc voilà. Encore une fois, si vous voulez voir des ouvertures Pokémon, suivez-moi sur mon TikTok qui s'affiche actuellement ici. C'est là-bas qu'il y aura un maximum d'ouvertures Pokémon, même si vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière qui est une ouverture d'évolution céleste. Encore une fois, vous avez le nouvel élément de décor hein, dont vous profitez. Les LED, on va parler d'hypnose, alors j'ai mis une ambiance un petit peu arc-en-ciel, multicolore, etc. Un peu apaisant. Je vous jure que pour l'instant ça fait pas trop d'effet, mais cet hiver-là qui va arriver en octobre-novembre quand je vais devoir tourner mes vidéos vers 17h parce que je rentrerai de la fac à 16h30, et qu'il fera déjà quasiment noir dehors, vous verrez, ça fera son petit effet. Et la ring light servira beaucoup aussi à ce moment-là. Et surtout, je vous réserve un petit quelque chose dont je vais parler directement en début de vidéo, très rapidement, parce qu'une vidéo spécialement sur le sujet sortira. Au mois de novembre, je vous prépare un petit projet qui va s'appeler le mois de l'horreur. C'est-à-dire qu'au lieu, au mois d'octobre, pardon, excusez-moi, je vous prépare un petit projet au mois d'octobre qui s'appelle le mois de l'horreur. Vous le savez, je fais une vidéo toutes les 2 semaines, mais exceptionnellement, au mois d'octobre, vous aurez une vidéo par semaine pendant les 4 semaines d'octobre. Enfin, les 5 semaines, parce que honnêtement, il y a 5 samedis dans le mois d'octobre, parce que ça tombe pile comme ça. Mais il n'y aura que 4 vidéos sur le thème de l'horreur. La première de la première semaine, ce sera un trailer. Et chaque semaine, vous aurez une vidéo sur le thème de l'horreur. Il y aura un urbex, il y aura une creepypasta, bref, ce sera que sur le thème de l'horreur. Et après ça, à la fin du mois d'octobre, on reviendra à une vidéo toutes les 2 semaines. Maintenant, venons-en au sujet principal de la vidéo, les amis, l'hypnose. Alors l'hypnose, dans un premier temps, on va parler de qu'est-ce que l'hypnose, parce qu'il est vrai que l'hypnose, vous n'êtes peut-être pas familier avec, vous le voyez à la télé, sur Internet, même peut-être des fois en vrai, en spectacle, ou alors peut-être que vous l'avez vécu vous-même, vous êtes monté sur scène, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que signifie l'hypnose, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en état d'hypnose. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. On va parler du concept d'hypnose, de son fonctionnement, comment ça marche dans votre cerveau pour que vous soyez hypnotisé, etc. Et surtout, quels sont les dangers et les limites. Vous allez voir que l'hypnose, c'est pas forcément dangereux, parce qu'il y a quand même certaines limites qui font que votre cerveau se dit il y a un problème, mais il peut quand même y avoir quelques petits problèmes liés à ça, justement. Et on va en parler en dernière partie de cette vidéo. Et donc, on va commencer par le concept de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose exactement? Alors qu'est-ce que l'hypnose? Alors l'hypnose, il faut savoir que c'est à la fois un état thérapeutique et également un état de conscience modifié, appelé transe. Je pense que le mot transe, vous l'avez déjà entendu dans votre vie, vous savez à peu près ce que ça signifie. Et c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes mis sous hypnose, justement. L'état thérapeutique, c'est notamment parce qu'on va en parler plus tard, plus en détail, mais l'hypnose permet de soigner certaines choses ou d'apaiser quelqu'un. Par exemple, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle l'anesthésie dans la médecine. Quand on vous opère à un certain endroit, on peut vous faire une anesthésie locale de cet endroit ou une anesthésie générale. Et dans ce cas-là, c'est tout votre corps qui s'endort. Eh bien, l'anesthésie, c'est l'une des matières d'endormir la personne, mais il y avait aussi à une époque, ça s'est fait, j'en ai vu des articles d'ailleurs, il y avait aussi la médecine par l'hypnose, où au lieu tout simplement d'anesthésier les patients pour qu'ils s'endorment, on les hypnotisait, ce qui fait que du coup ils ne ressentaient pas la douleur qui pourrait être liée à l'opération, mais en même temps ils n'étaient pas forcément endormis, ils étaient dans cet état de transe. Et l'état de transe, c'est quelque chose qui est situé entre la veille et le sommeil. La veille, c'est quand vous essayez de vous endormir, que vous avez les yeux fermés, que vous ne pensez plus forcément à rien, et que vous essayez de vous endormir. Et le sommeil, c'est quand vous êtes complètement endormi, que vous n'entendez plus, que vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous, que vous êtes peut-être en train de rêver, que vous êtes dans un sommeil profond. Et bien justement, l'état de transe, c'est juste entre ces deux-là. C'est le moment où vous commencez à sombrer dans le sommeil sans y être totalement. C'est situé entre ces deux-là. Et c'est pour ça que les personnes qui sont sous hypnose sont toujours réveillées, ont toujours les yeux ouverts, voient et entendent tout ce qui se passe, mais ont également l'impression de vivre des choses que vous ne voyez pas, vu que comme vous l'avez déjà vu sur des spectacles d'hypnose, les personnes vivent des choses que vous ne voyez pas, puisque le but c'est justement que eux vivent cela, mais que vous
ce soit juste un spectacle divertissant ou quoi que ce soit. L'hypnose, elle permet au sujet hypnotisé d'utiliser des parties très peu utilisées de son cerveau. Ce sont des parties qu'on exploite très peu de notre cerveau. Surtout qu'en général, quand on est éveillé, ce n'est pas des parties qu'on utilise. Et ça permet d'exploiter ces parties de son cerveau qui sont souvent méconnues. Ce n'est pas des parties qu'on utilise beaucoup, même pour les rêves. La nuit, ce n'est pas des parties qui sont sollicitées par le cerveau. Et ça permet du coup de découvrir de nouvelles sensations parce qu'en soi, quand vous êtes endormi, un rêve, vous le vivez, mais souvent, vous n'en avez plus aucun souvenir en vous réveillant. Et je pense que très peu d'entre vous ont déjà réussi à faire des rêves lucides. Sachant que, attention, des rêves lucides, c'est très dur à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui essayent, j'ai déjà discuté avec des personnes qui ont essayé de faire des rêves lucides en provoquant des choses dans leurs rêves, en essayant de se dire « Ah tiens, je suis dans un rêve », parce que oui, un rêve lucide, en gros, si vous arrivez dans votre rêve à vous rendre compte que vous êtes dans un rêve et que vous arrivez à vous rendre conscient du fait que vous êtes dans un rêve, eh bien à ce moment-là, votre cerveau va devenir conscient que vous êtes dans un rêve et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, votre cerveau va tout simplement comprendre et se dire « Ah, ben, je suis dans un rêve et du coup, je peux faire ce que je veux. » Et à ce moment-là, vous allez pouvoir complètement contrôler votre rêve et faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, voler dans les airs, vous allez pouvoir vous téléporter où vous voulez puisque vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez décider d'avoir le pouvoir de vous téléporter où vous voulez pour aller dans des pays que vous avez rêvé de visiter, genre au Japon, tatati, tatata, rencontrer une de vos idoles, chanteur, sportif, bref, voilà. Vous pouvez vraiment tout faire dans un rêve lucide. Mais attention à ce que le rêve lucide ne se transforme pas en terreur nocturne. C'est déjà arrivé à des personnes, alors ça arrive très peu, normalement. Hein. Je veux pas vous faire peur, ça arrive très peu. Mais il est déjà arrivé certains cas où les rêves lucides de la personne se sont transformés en terreur nocturne. Et le problème, c'est que la terreur nocturne, bah, c'est comme un rêve lucide. Tu es conscient que tu es dans un rêve, sauf que la terreur nocturne, c'est un cauchemar. Et là, le pire, c'est que tu vas être conscient, donc tu vas essayer de te réveiller, et au moment où tu vas te réveiller, c'est là que tu es encore dans ta terreur nocturne. Une terreur nocturne, vous le savez, ça arrive souvent. Vous vous réveillez, là votre cerveau pense que vous êtes réellement réveillé, mais vous êtes toujours dans la terreur nocturne. Ce qui veut dire qu'il va se passer des choses comme par exemple un monstre, une sorcière, un esprit, ou toutes les choses que vous détestez et qui font peur, qui va être là en face de vous, debout devant votre lit. Vous n'allez plus pouvoir bouger, il va se rapprocher de vous, et vous allez être en état de panique complète parce que votre cerveau croit que vous êtes réveillé, que ça se passe dans le monde réel. Alors que souvent, quand la chose va être littéralement à 3 cm de vous, qu'elle va vous toucher, là vous allez vous réveiller. Soit vous êtes encore dans la terreur nocturne et ça va vous réarriver 3 ou 4 fois, soit vous allez vous réveiller définitivement dans votre chambre, dans votre lit, dans la vraie réalité, et là il n'y aura personne au bout de votre lit. Ou alors, vous aurez l'impression qu'il y a quelqu'un en face de votre lit, mais si vous allumez la lumière, il n'y aura personne. C'est juste que votre cerveau va réinterpréter la boucle qui vient de se produire 2-3 fois et du coup va croire. Sauf que là, vous êtes dans la vraie vie, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera plus rien. À ce moment-là, soit vous allez vous réendormir et vous vous réveillerez le lendemain matin, soit vous allez être traumatisé et vous n'allez pas réussir à vous réendormir pendant les 4 prochaines heures. Bref, voilà, quand vous êtes endormi, vous rêvez, mais vous ne vous souvenez pas quand vous réveillez. Et le jour, très souvent, le jour, vous pouvez imaginer des choses, mais vous avez vraiment du mal à être dans une situation de rêve. Eh bien, cette partie du cerveau-là qui va être exploitée, c'est une partie qui vous permet de vivre une sorte de rêve sans être complètement endormi. Puisque, comme je vous l'ai dit encore une fois, l'hypnose, les personnes, par exemple, vous voient encore en face d'elles. Par exemple, un gag qui revient très souvent chez les hypnotiseurs, hein, comme Mesmer l'a déjà fait, c'est faire semblant que les personnes dans la salle d'audience sont nues. Et du coup, forcément, les personnes qui sont hypnotisées vous voient encore, elles vous voient devant eux, ils entendent encore, mais du coup, ils ont l'impression que vous n'avez aucun vêtement. Voilà. C'est un gag qui revient souvent, c'est pas forcément super drôle, mais ça revient souvent. En gros, c'est très apaisant pour les personnes parce que pour le coup, elles vivent un rêve tout en étant éveillées, surtout elles s'en souviennent, car la plupart des hypnotiseurs, souvent, quand ils essayent de réveiller la personne, ils leur font bien comprendre en claquant des doigts, vous savez, les mouvements qu'ils font souvent en claquant des doigts, en mettant leurs doigts devant la personne, leurs mains ou en touchant leur front, leur visage, tout ça. Ils leur disent que vous vous souvenez, ils leur disent la fameuse phrase « Vous vous souviendrez d'absolument tout ce qui s'est passé ». Et souvent, moi, dans les spectacles d'hypnose que j'ai vécu, comme par exemple cet été au camping, cet été, la personne qui était venue pour l'hypnose, à la fin du spectacle, quand elle leur avait fait vivre plusieurs expériences, comme par exemple « Vous avez gagné au loto » ou « À chaque fois que je dirai ce mot-là, bah, vous aurez envie de vous lever » ou alors vous ne vous souviendrez plus de votre nom », vous oublierez qu'après 1, que entre 2 et 4, c'est 3, et du coup, il compte 1, 2, 4, 5, etc. Voilà.
plein de trucs comme ça. Il leur fait vivre une expérience. Une expérience qu'ils appellent de bonheur. Ils leur font imaginer qu'ils sont dans un parc à l'air libre, avec du soleil, des oiseaux qui volent autour d'eux, une cascade, le vent frais. Bref, des trucs très apaisants qui vont beaucoup les apaiser pour qu'à la fin du spectacle d'hypnose, après avoir vécu toutes ces péripéties, ils en ressortent un peu plus apaisés. Voilà. C'est souvent ce que font les personnes. Après, si vous n'êtes pas réceptif, forcément, vous ne pouvez pas savoir. On va en parler d'ailleurs de la réceptivité, mais voilà. Il faut savoir que forcément, il y a des personnes qui vont être très touchées par ça. Et du coup, forcément, ce sont les personnes les plus réceptives. Et peut-être que vous, qui regardez cette vidéo, vous ne l'êtes pas, mais peut-être que dans votre famille, vous connaissez quelqu'un qui l'est et qui a déjà été hypnotisé, par exemple, au cirque. Ça arrive aussi que dans des cirques, il y ait des spectacles d'hypnose et qu'ils fassent participer également le public. L'hypnose est beaucoup utilisée pour soigner, et en particulier des phobies. Il faut savoir que, par exemple, l'arachnophobie ou la thalassophobie peut être soignée grâce à l'hypnose. C'est quelqu'un qu'on va hypnotiser pour lui faire comprendre, par exemple, pour l'arachnophobie, c'est la personne va lui faire comprendre que les araignées sont des êtres inoffensifs, ce ne sont que des insectes, ils ne peuvent pas te faire de mal. Bon, les mygales en Australie, c'est toxique. Si elles vous mordent, vous pouvez mourir à cause du venin et il faut vous faire soigner très vite. Mais en général, en France, t'as pas de mygales. À la limite, ce que j'ai vu en France de plus gros, c'est une araignée de cette taille-là. C'est gros, c'est la taille d'une mygale, mais même les araignées qui font cette taille-là en France, elles sont pas venimeuses. Elles te font peur, si t'as ça qui te monte dessus, même moi je m'évanouis, mais elles ne peuvent pas te piquer. Alors elles peuvent te mordre, mais tu seras pas malade, t'auras juste une trace comme un bouton moustique. Moi ça m'est déjà arrivé de me faire mordre par une araignée, je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai vu que l'araignée elle faisait cette taille, je me suis dit ah ouais quand même. Donc voilà. Mais par exemple, vous pouvez vous faire soigner tout ce qui est arachnophobie, thalassophobie, mégalophobie. Vous savez, c'est la peur des choses très grandes. Également, tout ce qui est phobie plus classique, hein, comme par exemple alors, la peur du vide. On appelle ça aussi vertige, c'est pas forcément une phobie. Le vertige, là, c'est un peu plus complexe à soigner. Mais voilà, tout ce qui est thalassophobie, arachnophobie, bref, mégalophobie, toutes les phobies un peu plus courantes, ça peut être soigné. La nyctophobie aussi, qui est la peur du noir, tout simplement. Ça existe vraiment, c'est... Beaucoup de personnes l'ont, c'est... Logiquement, quand t'es gosse, tout le monde a peur du noir. Mais quand tu commences à grandir, que t'atteins mon âge, genre 20, 21 ans, et que t'as toujours peur en étant dans le noir complet, voilà. Après, je dis pas, si je viens de regarder 3 films d'horreur d'affilée et que tu me laisses seul chez moi dans le noir complet sans lumière, bon, je vais vite me déplacer jusqu'à ma chambre, mais c'est pas non plus, je vais pas faire un arrêt cardiaque, quoi. Puis c'est l'habitude des urbex, des films d'horreur, tout ça, tout ça. Les phobies peuvent être soignées par l'hypnose, mais on peut également, par l'hypnose, vous aider à vous soigner, comme par exemple pour perdre du poids, arrêter de fumer, ou soigner tout ce qui est stress, anxiété, la peur de parler en public, d'être devant un public, d'être le centre de l'attention. Vous savez, comme quand vous devez faire un exposé devant toute votre classe, et que vous aimez pas. Voilà. Moi, ça fait très longtemps que j'ai bossé sur ça. De toute façon, si je suis devant une caméra actuellement, c'est parce que j'ai pas peur d'être diffusé devant une trentaine de personnes, vu que mes vidéos font en moyenne 30 vues. Et sur TikTok, j'ai des vidéos où on voit mon visage qui sont à... J'ai un TikTok où on voit mon visage qui est à 190 000 vues. Donc j'ai pas peur de montrer mon visage, voilà. Parce que j'ai fait un gros travail sur le stress. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à beaucoup de personnes. Si vous êtes sur YouTube et que vous ne montrez pas votre tête, déjà entraînez-vous à vous filmer, à parler devant une caméra sans diffuser la vidéo. Vous vous regardez après. Entraînez-vous. Et entraînez-vous un jour à montrer votre tête sur YouTube, à faire des vidéos facecam. En général, les gens aiment... plus que vous soyez facecam sur YouTube que par exemple quand vous montrez un chibi ou quoi que ce soit. Moi ça m'arrive rarement, mon chibi je l'utilise beaucoup pour des top 5, mais en général vous voyez très rarement mon chibi dans mes vidéos comme ça facecam. Parce que ce serait très chiant de juste là poser mon chibi devant moi et de vous parler en changeant son expression de temps en temps. C'est pas super passionnant. Et puis surtout si c'est pour foutre mon chibi dans chaque vidéo, j'aurais pas acheté des LED qui m'aident à avoir une petite ambiance sympa dans les vidéos. Bref, voilà, du coup, si d'ailleurs ça intéresse des personnes de faire soigner leur stress, leur anxiété, pour perdre du poids, pour arrêter de fumer, ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées pour ça, n'hésitez pas à leur parler de ça, à leur montrer ma vidéo et à les aider à se renseigner là-dessus. Ça doit facilement être trouvable sur Internet et au pire, vous pourrez trouver des liens dans la description si j'ai réussi à en trouver des fiables. Enfin, après, c'est pas sûr que sur Internet, tu puisses trouver des trucs fiables. Donc le mieux, c'est d'aller se renseigner auprès d'un professionnel dans un hôpital, dans un cabinet de santé
ou alors si vous arrivez à trouver le contact de quelqu'un qui fait ça. Et bien évidemment, l'hypnose est aussi utilisée eh bien, but récréatif, un but événementiel tout simplement pour des spectacles, que ce soit sur scène, dans des campings, dans des salles, pour des soirées, etc. Bref, voilà. La plupart du temps, c'est l'hypnose que les gens connaissent, parce qu'ils la voient à la télé, sur YouTube, ils ont peut-être déjà assisté à des spectacles eux-mêmes, ou alors eux-mêmes ont testé. Mais on entend rarement parler de l'aspect thérapeutique de l'hypnose. Par exemple, je ne suis pas sûr que vous sachiez que l'hypnose pouvait être utilisée pour traiter des phobies ou pour traiter des choses telles que le stress, le fait de fumer, d'être addict au tabac, etc., etc. Maintenant que vous savez un petit peu ce qu'est l'hypnose en général, on va parler du fonctionnement. Comment l'hypnose fonctionne pour que vous soyez dans un état de transe et que vous puissiez vivre des expériences tout en étant toujours connecté à la réalité, que ce soit par la vue, par l'ouïe ou par le toucher, ou par l'odorat même. Tous vos sens sont encore en éveil, mais la personne qui vous hypnose peut réussir à faire simuler certaines choses. Et vous aurez l'impression que du coup, elles sont réelles. L'hypnose utilise tout simplement la suggestion d'images, rassurantes bien évidemment, grâce à l'usage d'un vocabulaire symbolique. Le vocabulaire symbolique, vous le savez, vous l'entendez souvent, c'est vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, vous sombrez de plus en plus dans le sommeil, souvent la personne met sa main comme ça, touche le front de la personne ou son visage pour l'endormir, claque des doigts de manière répétitive pour endormir la personne. Voilà, à savoir que faut quand même avoir des connaissances, hein. Je peux pas moi, devant la vidéo, vous dire « regardez mon doigt, vous allez bientôt vous… » Non, je ne peux pas, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour faire de l'hypnose par exemple. Je vous ai déjà fait du mentalisme, mais pas de l'hypnose. Et de l'hypnose à travers la caméra, c'est très dangereux, parce que si vous vous réveillez pas... Voilà. Le praticien va parler au patient, on va dire le patient ou la personne, hein, en général. Je dis patient parce que souvent, là, je parle plus de tout ce qui est thérapie, hein, l'hypnose thérapeutique, mais c'est exactement le même vocabulaire et la même technique qui est utilisée dans les spectacles. Le praticien va parler au patient, et va focaliser son attention sur quelque chose. Soit ça va être, comme il dit, son doigt, sa main ou ses yeux, le regarder dans les yeux, ou une image mentale. Soit il va leur dire de fixer un point au loin, par exemple vous êtes sur scène et vous fixez le bout de la salle, la porte de sortie, soit vous allez dans votre tête, vous imaginez une image. Par exemple, en face de vous, vous imaginez une plage avec un coucher de soleil, et vous fixez le soleil qui est en train de se coucher tout au fond. Voilà. Et ça va le diriger vers un état de conscience modifié. L'état de conscience dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle... la transe, c'est cet état de conscience modifié dans laquelle le praticien va amener la personne hypnotisée jusqu'à ce qu'elle s'y trouve totalement. Les images ou les situations vont ensuite être simulées, de manière à ce que la personne qui est hypnotisée va avoir l'impression de vivre réellement ce qui se passe, alors que tout n'est qu'imagination. Mais elle va quand même le ressentir, c'est-à-dire par exemple si c'est quelque chose de visuel, genre par exemple devant vous il y a un troupeau d'éléphants, la personne va le voir. Si c'est quelque chose de sonore, comme par exemple, à chaque fois que je prononcerai ce mot, vous entendrez une alarme, vous entendrez votre téléphone sonner, la personne va l'entendre. Si c'est par exemple, à chaque fois que je dirai ce mot, vous sentirez cette odeur, ça va être à l'odorat. Et si par exemple, il dit, à chaque fois que je dirai ce mot, vous aurez l'impression qu'on vous tape dans le dos, bah là, ce sera physique, la personne le ressentira. Vous savez que c'est des choses qui touchent à nos sens, hein, la vue, l'odorat, le toucher. Normalement, on peut difficilement tromper ses sens, et pourtant... vous aurez l'impression, par exemple, qu'on vous tape très fort dans le dos, mais si vous regardez votre dos à la fin du spectacle, vous verrez que vous n'avez aucune trace dans le dos, parce que tout n'est qu'imagination. Pourtant, vous l'aurez ressenti de manière à ce qu'on vous a vraiment frappé dans le dos. Et c'est quelque chose qui est très fort, parce que notre cerveau, on peut difficilement le tromper sur nos sens. On peut se tromper son cerveau avec des trompe-l'œil, des illusions d'optique, des images, mais rarement avec nos sens. Et c'est ça qui est très fort dans l'hypnose, et qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous en ai parlé, mais je vais vous en reparler ici. Cet été, au Naya Village, nous avons eu, sur les deux semaines où on est resté, pendant la première semaine, à la fin de la première semaine, aux alentours du samedi-dimanche, un spectacle en soirée, aux alentours de 21h, où un hypnotiseur est venu. Et dans ce camping, on a une connaissance qui n'était pas prévue. En plus, vous savez, on part souvent en famille, et on a croisé des connaissances qui étaient dans ce camping par pur hasard, en même temps que nous, pendant les deux mêmes semaines. Mais on ne savait pas qu'elle y était. Et cette connaissance a participé, justement, à l'hypnose, et ils étaient en famille, hein, ils étaient quatre, les deux enfants, le père et la mère, et le père a participé à ce spectacle d'hypnose, et il a été réceptif. Voilà, la réceptivité, on en parle juste après. Donc du coup, cette connaissance qu'il a vécue, justement, elle a été très réceptive, hein, à chaque fois que le praticien lui disait quelque chose, ça se passait, souvent il y a une dizaine de personnes sur scène, et il faisait partie de cette dizaine de personnes qui vivaient réellement les expériences. Et donc nous, après le spectacle, justement, on est allé le voir pour lui demander
qu'est-ce qu'il avait ressenti, comment ça s'est passé, qu'est-ce que toi tu vivais, qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu entendais, qu'est-ce que tu ressentais, etc. etc. Parce qu'il y a quand même eu un moment où la personne, le praticien leur a dit, vous êtes dans une barque, voilà, vous êtes en train de ramer, la mer est agitée, il y a des vagues, etc. Ça, par exemple, t'es plus au niveau de ta vision, tu vois plus du tout le public du camping, tu vois plus du tout que t'es sur une scène, assis sur une chaise, qui fait nuit, t'es dans un camping. Pour toi, tu te vois dans une barque au milieu de l'océan, ramer avec les vagues, etc., etc. Donc justement, on lui a demandé. Alors déjà, il nous a dit qu'il était extrêmement fatigué. Ça, on en parlera justement après, encore une fois. Il était très fatigué et en même temps, il a dit que il se souvenait encore de tout, mais il n'avait pas l'impression de l'avoir vécu. Parce que justement, encore une fois, il ne l'a pas vraiment vécu. C'était simulé par son imagination. Mais il se souvenait de tout. Il se souvenait de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Il se revoyait dans le bateau en train de ramer, mais pourtant, il ne l'a pas vécu. Et en gros, voilà, c'est un peu ce qu'il nous a raconté. En gros, c'est ce que tu ressens. Tu as l'impression d'avoir vécu le truc. Tu t'en souviens, mais tu sais que tu l'as pas vécu. C'est un sentiment qui est très bizarre. C'est pour ça que vous pouvez être un peu déboussolé ou fatigué en sortant d'un spectacle d'hypnose, justement. Et avant de parler de tout ce qui est danger, limite, hein, ce qui vous intéresse le plus, hein, je pense, on va parler de tout ce qui est réceptivité. Il y a 3 stades de réceptivité, même 4. Le premier stade, c'est vous n'êtes pas du tout réceptif. C'est-à-dire, pour voir les personnes qui font réceptives, souvent, le praticien fait participer tout le public. Avec des exercices tels que vous mettez vos deux doigts comme ça, vous les regardez et ils vont se rapprocher. Alors, logiquement, même sans faire de l'hypnose, vous mettez vos doigts comme ça devant mes vidéos, vous allez voir qu'ils vont se rapprocher. Et si vous fermez les yeux et que vous ne vous forcez pas, forcément, au bout d'un moment, ils vont se rapprocher. Voilà, c'est l'hypnose. Sauf que moi, j'étais comme ça, ils se sont jamais rapprochés. Alors que je ne forçais pas pour les garder, hein, mais regardez là, je les laisse, je ne force pas. Vous voyez, ils se rapprochent, mais très légèrement, et voire ils se rapprochent quasiment pas. Il y a eu pareil pour les mains comme ça, qui devaient se rapprocher toutes seules au bout d'un moment, voilà. Il y avait une main aussi qui devait se mettre comme ça devant toi, tu fermais les yeux et cette main-là était censée descendre et celle-là monter ou l'inverse, justement, je ne me souviens plus exactement. Moi, j'ai essayé, j'ai fermé les yeux, ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Ça n'a pas bougé, ça s'est rapproché de ça maximum. Mes mains, elles n'ont jamais bougé. Mes mains comme ça, j'ai fini, elles étaient comme ça à peine. Ça n'a pas marché, j'ai pas du tout été réceptif. Par contre, il y a certaines personnes dans ma famille qui étaient des personnes dont on savait qu'elles venaient, hein, pas les personnes qu'on a croisées par hasard. Elles ont été plus ou moins réceptives à certains stades. Justement, j'en parlais. Bref, les 4 stades de réceptivité, il n'y a pas du tout réceptif. Voilà, ça ne marche pas sur vous, vous n'êtes pas du tout réceptif, rien ne va marcher. Il y a le stade où vous allez être un petit peu réceptif. C'est-à-dire, vous allez fermer les yeux, vous allez réussir à vous imaginer ce que dit la personne, vous allez réussir à ce que vos doigts se rapprochent, vos mains se rapprochent, voilà, etc. Ça va avoir un petit effet sur vous, vous allez avoir une image mentale de ce qui se passe, mais vous ne pourrez pas être sensible au gros truc. C'est-à-dire, par exemple, vous n'arriverez pas, quand vous ouvrirez les yeux, à voir ce que le praticien vous demande. En fermant les yeux, vous pourrez, mais vous n'aurez pas la sensation de le voir. L'entendre, vous pourrez peut-être, mais par exemple, s'il y a une sensation de toucher, là, vous ne pourrez pas. Et surtout, vous pouvez facilement réouvrir les yeux si quelqu'un à côté de vous commence à prononcer votre nom ou vous toucher. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement en état d'hypnose. Le troisième stade, c'est celui où vous êtes réceptif, mais pas forcément à tout. Par exemple, sur un spectacle de 2 heures, au bout de 30 minutes, votre cerveau va dire « Stop, c'est trop pour moi ». Vous allez être énormément fatigué, complètement déboussolé. Le praticien va le voir parce qu'il va voir que vous êtes un peu perdu et que vous ne réagissez pas forcément à ce qu'il vous dit. Et à ce moment-là, il va comprendre que vous êtes réveillé, que votre cerveau ne réussira pas à se replonger dans cet état de sommeil et il va vous faire descendre de la scène et retourner à votre place. C'est le deuxième état. Et le quatrième, c'est quand vous êtes réceptif au maximum, c'est-à-dire sur les 2 heures, tout ce que va vous dire le praticien, vous allez le faire, vous allez le ressentir, vous allez le voir, l'entendre, le sentir, le ressentir au niveau du toucher. Bref, vous allez vivre toutes les expériences possibles. C'est ce qui arrive le plus souvent dans un spectacle d'hypnose. Nous, c'est arrivé cet été, par exemple, il y avait 12 personnes sur scène. À la fin du spectacle, il n'y en avait plus que 10. Il y en a 2 qui, pendant le spectacle, on a vu justement qu'ils se sont réveillés. Ils étaient un peu titubants parce qu'ils étaient ultra fatigués. Tu sais, ils tenaient plus debout tellement ils étaient fatigués parce que c'est extrêmement éprouvant l'hypnose. Hein. Ça te fatigue. Tu passes par beaucoup d'émotions. Si on te fait croire que tu gagnes au loto, tu passes par la joie immense. Si on te fait croire que devant toi, il y a un monstre, tu vas passer par la peur, par l'étonnement, par la joie, la colère, la tristesse. Bref, tu peux vraiment passer par toutes les émotions en fonction de ce que le praticien va te dire.
Par exemple, imaginez qu'à la télé actuellement, vous voyez un film très triste ou un film très drôle. Voilà, c'est des émotions qui sont très différentes. Et justement, c'est très fatigant. Et on avait vu que cette personne s'était réveillée, qu'elle était un peu perdue, donc il l'a aidée à descendre de la scène et elle est retournée s'asseoir. Et au bout de 10-15 minutes, elle avait repris ses esprits et elle regardait le spectacle comme tout le monde. Voilà, ce sont les différents stades de réceptivité. Maintenant, on va parler des dangers, encore une fois avec de gros guillemets, et les limites de l'hypnose. Alors déjà, première chose, faut savoir que l'hypnose, ce n'est pas extrêmement dangereux dans le sens où le cerveau sait garder ses limites. Imaginons, par exemple, justement, c'est un exemple que le praticien qui est venu cet été nous a donné. Par exemple, imaginons la personne de mauvaises intentions. La personne vous hypnotise et demande par exemple à une femme sur scène de se déshabiller et de se mettre nue face au public. Eh bien, le cerveau va quand même voir que vous êtes en public, votre cerveau va voir que vous êtes en public, va sentir que vous êtes en public et va entendre l'ordre de se déshabiller et ne va pas le faire. Voilà, c'est l'une des limites du cerveau. Vous savez très bien que vous, comme moi, vous n'aurez jamais le courage de vous déshabiller en public. Votre cerveau le sait que vous ne pourrez jamais le faire et donc, même si vous êtes en état d'hypnose et que le praticien vous dit de le faire, votre cerveau, lui, il va se dire non, 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 tu fais pas ça, tu ne le fais pas, tu ne peux pas le faire. Comme le praticien l'a dit et comme je le sais aussi, c'est en fonction des limites de ton cerveau à toi. Si toi, tu as l'habitude de te foutre à poil en public parce que t'aimes ça, c'est bizarre à ce niveau-là, si vous l'avez déjà fait, merci de vous désabonner de ma chaîne. Et du coup, si vous l'avez déjà fait, par contre, là, il est possible que la personne le fasse. Alors, soit le cerveau va lui dire oui, attends, il y a un problème, soit elle va le faire. Et à ce niveau-là, si ça commence à se produire, déjà fermez les yeux et appelez la police avant la fin du spectacle d'hypnose, histoire qu'elle aille chercher le praticien en question. Juste histoire d'eux, hein, au cas où, parce que. On sait jamais, peut-être que le week-end il fait ça avec des gens qui l'enferment dans sa cave. Je déconne, mais c'est pour vous faire comprendre. Voilà, en général ça n'arrive pas. Pareil pour tout ce qui est dangereux. On peut pas vous faire faire d'actions dangereuses. Par exemple, la personne vous hypnotise, elle vous dit saute d'un pont. Alors, c'est triste. Mais si la personne n'est pas bien en ce moment, qu'elle a des envies, bah, suicidaires tout simplement, bon, elle va le faire. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes au-dessus d'un pont au niveau du Grand Canyon. Il y a un pote avec vous, l'un de vos potes avec qui vous êtes sorti, vous êtes parti faire un road trip, et il vous dit en mode vas-y, saute, toi tu vas te retourner, oh bah t'es con, et vous allez pas le faire, voilà. Mais pareil, si vous êtes hypnotisé, que la personne vous montre le pont et vous dit tu vas sauter au-dessus de ce pont, votre cerveau il va comprendre que c'est dangereux et que si vous vous écrasez en bas, vous n'avez pas forcément 80% de chances de survivre, il va bien vous faire comprendre que non. Tu ne vas pas le faire, c'est trop dangereux. Tu ne le feras pas et le cerveau va vous bloquer. Vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Il ne peut pas non plus, du coup, vous forcer à faire des actions dangereuses ou vous manipuler. C'est-à-dire, par exemple, vous dire, bah, par exemple, si la personne a de mauvaises intentions, tu te déshabilles et tu vas venir vers moi. Voilà. Non, il ne peut pas. Le cerveau garde une certaine limite. C'est pour ça que l'hypnose, c'est pas non plus complètement ça. Hein. Si tu forces une personne à faire quelque chose qui est trop dur pour elle, par exemple, imaginons. Le praticien fait monter les personnes sur scène et ne demande pas si les personnes ont une phobie. Nous, il l'a fait. C'est très bien d'ailleurs d'avoir demandé ça parce que par exemple, une personne qui était thalassophobe au moment du truc où il était tout seul au milieu de la mer dans une petite barque, je pense qu'il aurait paniqué à mort. Mais imaginons la personne ne demande pas les phobies aux gens avant de commencer le spectacle et à un moment fait croire aux personnes qu'ils ont une dizaine de mygales. Des vrais mygales sur eux en train de grimper sur eux, et qu'il y a une personne qui est arachnophobe. Déjà, elle va soit commencer à paniquer très fort, ou alors elle va immédiatement, son cerveau va lui dire attention, attention, le cerveau va commencer à paniquer parce que c'est une vraie phobie. Il faut savoir qu'un arachnophobe, c'est un vrai arachnophobe, il a une araignée ne serait-ce que petite comme ça qui commence à lui monter dessus, soit il va tomber dans les pommes, soit il va vraiment faire ça en hurlant, il va sortir de la pièce. Et il re-rentre pas dans la pièce pendant une semaine, histoire d'être sûr que l'araignée est morte et bien morte. C'est-à-dire, même si 30 minutes après, tu reviens en lui disant c'est bon, j'ai écrasé l'araignée, je l'ai jetée à la poubelle, je l'ai écrasée avec un mouchoir, je l'ai jetée à la poubelle, tu peux retourner dans ta chambre. Non, pendant une semaine, il retourne plus dans la pièce. Voilà. Donc, un vrai arachnophobe, si tu lui fais ça, il va paniquer, mais instantanément, un millième ou alors 2 secondes à peine après, son cerveau va lui faire déclic, il va dire là c'est trop, il va se réveiller. Bon, quand il va se réveiller,
vu qu'il avait l'impression d'avoir des araignées sur soi, il va se réveiller, il va commencer à regarder ses bras et tout. Il va voir qu'il a plus d'araignées, il va comprendre que le cerveau l'a fait se réveiller parce que c'était trop pour lui, parce que c'était sa phobie, pour pas qu'il ait un choc trop gros, ou qu'il tombe dans les pommes ou quoi que ce soit. Et donc le cerveau l'a réveillé pour attention, danger, ta phobie. Voilà. Ça aussi, c'est l'une des limites du cerveau. Si vous avez une phobie et que le praticien vous fait simuler votre phobie, il y a de grandes chances que vous soyez réveillé par votre cerveau qui vous dit « attention, alerte ». Mais attention quand même, parce qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de l'hypnose. Ce ne sont pas des dangers, ce sont des petits problèmes, notamment sur les personnes qui sont très réceptives. Ça peut créer des sortes de petits chocs. Par exemple, vous le savez, comme moi je pense, une personne qui est somnambule. On vous dit souvent une personne qui est somnambule, surtout... Tu ne la réveilles pas. C'est très dangereux de réveiller un somnambule. Il faut savoir qu'une fois, je vous le raconte, mon grand-père du côté de ma mère a déjà été somnambule dans le sens où il est sorti de son appartement, il s'est habillé, il est sorti, il a pris son casque de mobylette, il est monté sur sa mobylette en étant somnambule, ce qui est très dangereux parce que du coup, il voyait pas la route. Il a pris son scooter, il a commencé à faire le chemin de son boulot. Mais sans se tromper, genre il a pas manqué un virage, il s'est pris un trottoir, il s'est pris une voiture ou quoi que ce soit, non, parce qu'en plus il faisait nuit, donc pas beaucoup de circule. Il a pris le chemin de son boulot, et sur la route, alors heureusement il roulait pas vite, il roulait à peine 30-35 km/h, sur la route à un moment, vu qu'il avait plu, durant la nuit, sa moto à un moment a fait une sorte de petit aquaplaning, elle a glissé, il est tombé, et en tombant, la chute, le choc l'a réveillé. Ça aurait pu être très dangereux parce que, imaginez, vous endormez dans votre lit, littéralement. La dernière chose dont vous vous souvenez, c'est vous dans votre lit endormi sous votre couette comme ça. Et là, d'un seul coup, vous vous réveillez, vous êtes par terre, allongé sur la route. Vous avez un peu mal parce que vous êtes quand même tombé, vous vous êtes râpé, mais heureusement, vous aviez vos vêtements de moto parce que lui, il avait mis tout ce qui est son manteau en cuir, etc. Vous avez un peu mal, vous vous réveillez, vous voyez qu'il fait nuit, vous êtes au milieu de la route, votre moto est tombée. Vous savez que vous êtes tombé parce que du coup, vous vous en rendez compte, vous êtes par terre, vous avez un peu mal, etc. Il y a de quoi avoir un énorme choc. Genre, vous dites, oulala, qu'est-ce que... Ah ! Et là, pouf, choc. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas réveiller un somnambule. Heureusement, mon grand-père n'a pas eu de problème après ça. Ça peut aussi créer un choc chez les personnes hypnotisées. C'est-à-dire, si par exemple, comme je vous l'ai dit, par exemple, la phobie, la personne voit des araignées sur elle et d'un seul coup, va se réveiller, mais directement, genre instantanément, ça peut lui créer un petit choc. Et du coup, elle peut être déboussolé ou commencer à un petit peu paniquer ou quoi que ce soit, ou même faire un malaise, tomber dans les pommes. Alors c'est pas dangereux, c'est un petit malaise, elle va tomber dans les pommes, elle se réveillera après, mais juste pour le trop plein d'informations, le choc d'un seul coup, elle va pas supporter. Ça peut aussi soit la désorienter, comme par exemple on l'a dit, vous vous réveillez, vous êtes pas forcément, vous savez pas forcément où vous êtes et il vous faut bien une trentaine de secondes pour vous rappeler, ah oui, je suis dans tel camping, je suis sur scène pour le spectacle d'hypnose, j'ai voulu participer, voilà, nanani nanana. Vous allez vous lever, vous allez sentir que vos jambes elles sont un peu lourdes, vous n'allez pas forcément réussir à marcher droit, vous allez vous sentir fatigué. Comme si, vous savez, quand vous êtes resté assis trop longtemps, vous vous levez et vous voyez plein de points lumineux d'un seul coup devant vous, votre vision elle se trouble et vous retombez parce que vous vous dites « Ouh là, je suis resté assis trop longtemps ». Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver aussi, ou tout simplement être juste fatigué, comme par exemple il est 6h du mat, vous venez de vous lever parce que vous avez cours, vous marchez mais vous titubez un peu parce que vos jambes elles sont un peu fatiguées de la nuit, vous êtes encore un peu fatigué, vous pouvez pas voir trop de lumière et là vous vous réveillez du spectacle d'hypnose, vous avez les gros projos de la salle de spectacle dans la gueule. Voilà, c'est ce qui peut se passer, être un petit peu désorienté, fatigué ou avoir un petit choc, ça peut arriver aussi, rarement, parce qu'en général les praticiens font très attention, mais ça arrive. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'hypnose. Voilà un sujet qui m'intéressait beaucoup, et en tant que magicien, bah, j'en ai jamais parlé, alors que pourtant l'hypnose c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup au système de la magie, au système du mentalisme, même si, attention, un hypnotiseur, même si hypnotiseur ça ne se dit pas, mais il n'y a pas réellement de mot pour ça, ce n'est pas un mentaliste ou un magicien, non, c'est encore quelque chose d'autre, c'est une autre pratique. Le mentalisme, c'est pas vous faire croire que vous voyez des trucs, c'est vous manipuler à votre cerveau pour vous faire penser dans le sens que j'ai envie, pour que moi je puisse voir à quoi vous pensez, par exemple avec des signes du visage tels que un clignement d'œil, un sourire, la manière que vous allez de regarder autre part un moment, dans votre voix, la manière dont vous allez parler quand je vous posais certaines questions, pour justement que j'arrive à comprendre certaines choses sur vous. Voilà, c'est ça du mentalisme. Et la magie, vous le savez, c'est des manipulations très complexes de cartes, de pièces, faire jouer le spectateur, détourner son attention, voilà. L'hypnose, c'est vraiment quelque chose de très différent, parce que là,
faut que vous fassiez imaginer à une personne devant vous qu'il se passe vraiment des choses qui parfois sont complètement folles. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre à vos questions. Bien évidemment, encore une fois, si vous avez un point que vous n'avez pas forcément compris ou sur lequel j'ai pas forcément été clair, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à commenter pour me dire si ça vous a plu, pour me raconter des expériences d'hypnose que vous avez vécues ou que quelqu'un de votre famille a vécu, ou que vous avez vécu sans être impliqué à votre famille, par exemple juste vous êtes allé en famille à un spectacle, voilà. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si vous me découvrez, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me découvrez avec cette vidéo et si vous êtes intéressé par ce dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire le mois de l'horreur, un abonnement ça me soutient énormément et ça prouve que vous appréciez ce que je fais. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans 2 semaines, normalement, on commencera le mois de l'horreur. D'ici là, je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, hein. Ça y est, l'école a repris pour tout le monde. À l'heure où j'enregistre, moi je viens de terminer ma première semaine qui était très chill, mais voilà. La semaine dernière, l'école n'avait pas encore repris, là normalement, les cours ont repris pour tout le monde, collège, lycée, fac. Donc normalement, je me trompe pas en vous disant bonne rentrée, de toute façon on est encore au mois de septembre, donc bonne rentrée à tous. Profitez bien pour ceux qui restent, qui reprennent, parce que je sais qu'il y a des personnes dans ma fac qui reprennent en octobre ou en novembre. Pour vous, profitez bien des quelques mois de vacances qui vous restent ou des quelques jours de vacances qui vous restent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, c'était Lightfire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! How many worlds would you cross?